Salut tout le monde, ici à Edvalian. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pu donner trop de nouvelles par rapport au CAS. C'était un petit peu plat, mais là, ça y est, on a un nouveau plan, un super nouveau plan. Des mafieux dans une boîte de nuit, ça peut pas foirer. Donc là, pas de banque, pas de système de sécurité, pas de garde relou, là, tranquille quoi. C'est simple, on prend la coque, on se casse. Facile, pas de problème, de la bonne musique. Et c'est parti, à tout de suite. Did you miss me, you wankers? It's payday, fellas. Bah ça a chier. Bon, Ah, donc c'est moi qui ai le masque dégueulasse cette fois. ah tiens, c'est aléatoire. Mais Je j'ai pense pas de qu'on peut avoir masque. des préférences de masque. Et limite, Et s'il a Nimitz n'a pas de pas de masque, du masque. coup. Ah, c'est pas mal ça. Limite, Pas met ton très masque. Du intelligent. coup, Nimitz, il y va sans masque Il et a il se fait tirer poil. dessus quoi qu'il arrive. On dirait Keanu Reeves avec une borne. Ouais, on dirait. Et un peu Pourquoi gros. pas? Hé. Ouais. Ah, vraiment. Donc là, les mecs, on sort de prison, on refait la même. Bah oui, bah. J'ai envie de Franchement, dire, c'est dit. on est pas des flashs. On s'est dit, cette fois, ça va marcher, il nous faut vraiment cette table pour la planque. Non, parce Il que faudrait franchement, un... on fait quand même nos conseils sur des tabourets sans aucune table, on n'a pas l'air con. Ouais, y en a marre. On est beau gosse là. Il est pas content. Alors, amis seulement, limite de réputation, permettre l'entrée libre. Puis on a fait de la chirurgie depuis la dernière fois quand même. Ah, il y a une limite de réputation. Est-ce que à chaque fois qu'on fait des braquages, on a un personnage qui augmente sa réputation? Du coup, on est plus dans la merde après, c'est ça? Ouais, bah D'accord. nous de toute façon ça va, hein, dès qu'on fait un braquage il est loupé, alors niveau réputation. Ah, on a les clampins. Allez, donnez-leur des bonbons, allez, cassez-vous là. Ils vont nous donner l'argent direct, hein, pardon. Appelez la police, non, c'est bon, y'a pas besoin. C'est bon, on les connaît. Ça fait 10 Ils fois viennent qu'ils tous viennent les samedis après l'école. Donnez-leur vos pièces jaunes, tout ça. Bon alors, Nimitz, tu mets un masque ou tu vas te faire foutre? On s'en fout. Sa tête rentre plus dans le masque. Hein? Ça déborde sur les côtés. Ça déborde. Il a trop pris. Bah, je peux pas, j'ai des lunettes. Maman, elle m'a dit, faut pas mettre ton masque alors. Ok, alors c'est parti. Allez. Ce coup-ci, on va d'abord chercher la perceuse et ensuite voilà. On essaie de. Donc, on ne rentre pas dans l'établissement. Cette fois, on rend nos parents fiers. Oh, on est dans une boîte de nuit, je sais pas la même la boîte chose. De nuit du coup. Ouais, boîte de nuit, parce que j'ai pas retrouvé la première. Ouais, en fait, le mec il a fait son gros juif en mode. Et puis là, on gagne 100 000, avant on gagnait 20 000. Personne. Mais je pense que là, il y a moyen. C'est compliqué, il faut trouver le bureau du gérant, on en a pour un quart d'heure, maîtriser la foule, ouais, bon. Et rester en un seul morceau. J'ai maîtriser la foule. Expliquer à tous pour maîtriser la foule. Hein. Mais c'est la touche très arrière, je crois, je suis pas sûr. Discrétion possible. Non, mais je dis ça, je dis rien. On se la fait. Mon nom de code ce sera Hoxton et celui de Suicider ce sera Houston. Ça va pas être compliqué. Ah mais ouais, j'ai John Wick. John Wick. Et Dallas reste Dallas dans le rôle de Dallas. Mais moi j'ai rien compris. Vous êtes C'est une boîte de nuit de mafieux russe. Quoi? C'est une boîte de nuit de mafieux russe. Alors attends, c'est une boîte de nuit. Ok. De mafieux russe. Il faut faire quoi dans la boîte de nuit? Il faut Donc la briefing de la boîte de nuit, c'est simple, on rentre, on sort, la coque, tout ça, les mafieux. Piquer la là, caisse. La nuit, les soulager du poids de leur finance, voilà, il faut les soulager de. Le faut les soulager. Maîtriser la foule. Trouver le bureau du gérant, maîtriser la foule et survivre. Il y a des mafieux russes rivaux. Je pense qu'en fait on va tirer sur des mecs gros bien baraques. J'ai un peu peur hein, moi pour être honnête. Allez, c'est pas des araignées, ça va aller. Non mais c'est des russes, pareil. Suicider, il a pas envie d'être prêtre, ça. Allez, Suicider, ah, allez. Ah oui, c'est ça en fait. Mouille-toi. Pourquoi un peu. Ça commence pas? Pour les mecs, discret. Suicider m'a l'air étonnamment intelligent. J'ai une lueur dans le regard, comme ça. Alors, faut trouver le bureau du directeur. Il a l'œil de taupe. Ok, donc on va éviter le videur à l'entrée. Bon, discret les mecs, hein. Donc discret. On va pas dans le videur. Oh, les mecs, attends, on et est là. Et vous êtes bien habillés les mecs. Waouh, Keanu Reeves. Moi je propose de passer par la petite ruelle là derrière. Ouais, c'est bien, c'est discret de passer par la petite ruelle mec. Et là déjà. Suicider, il y a un point d'interrogation, fais attention. Ouais, fais gaffe, point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il te surveille. Et mais du genre, on est civil mais pas très en vrai. Ouais, on est un peu chelou quoi.
Ouais, c'est ça. Attends, moi je vais essayer de... on va essayer de rentrer. Nimitz, tu joues la femme. Tu peux crocheter ça, toi? Fais gaffe, y'a un vigile juste devant la porte. Allez, t'es prêt, Nimitz? Non, je suis avec qui là? Je suis avec Cider, ok. Ok, on, fait, mecs, on se split. Si jamais ça va pas, vous me sauvez. Hein. Et on se split, donc Dia et Nimitz et moi et Cider. Bon, Nimitz, on va essayer de rentrer. Ok. Mais c'est de rester. Attends, on va les regarder. Tu crois qu'ils vont essayer de rentrer comme ça? Les touches pour marcher. Toutouloutoulou. On s'est Ok. Oh putain, les beaux gosses, ils sont rentrés comme ça. Ok, là, viens, du coup, on s'empête, viens, on va regarder comme ça aussi. Bon bah, on va les rejoindre. Ouais, il est étonnamment intelligent le. Ah, elles sont sympas les bonasses là. Je t'avais dit de jouer la femme, limite, ça marche toujours. Et puis on arrive dans la boîte. C'est la teuf quoi. C'est bon, je suis rentré. Oh, c'est tellement la teuf à l'intérieur. C'est vrai? On peut danser? Oui, oui. Hey, can you Viens danser. Oh merde, détecté, mais what the fuck? Oh merde! J'aurais pas dû danser! Ah putain, mais je suis déjà à terre! Civil tué! Ah putain! Civil tué, il m'enlève 5000! Oh putain! Bon, moi j'ai mis le masque, hein, faites tuer. La police a été appelée, on prend l'argent! You le fric? Je vais mourir! C'est pas de l'argent, mon cher, je crois. Hein. J'ai trouvé un truc là! F, utiliser la perceuse! Oh non, encore ce truc de perceuse! Pas la perceuse! Ah mais c'est bien, c'est une perceuse automatique. J'en foutrais des perceuses automatiques. Un mec, il y avait un mec juste derrière toi. Ah c'est cool. Ah ouais, on a chacun une perceuse portable. Ah ouais, tu peux le faire à terre. Trouvé, à terre, fils de poulpe. Bon, surveille la perceuse le mec, moi je m'occupe d'un escalier. Nickel. Ah, on a aussi des fils pour attacher leur... Qui c'est qui a fait un massacre ici? C'est pas moi. Moi on va s'attacher qui, là les gens. Ah, je suis avec toi, Diamond. J'ai un otage. Ok, moi je suis en train de percer un trou. Bien joué, mec, bien joué. Merde, y'a un flic. Faites attention à ce que l'otage ne te tue pas. Les ah putain! Les flics sont sur la piste de danse. Ah, y'a les flics, bordel! Oh, chiens américains! Et en tout là, allez, va baigner que la matcha, tout la couette. Elle aide, je suis à terre. Vas-y. Dia, elle aide. Allez. Qu'est-ce que vous foutez? Bah, il y a eu des flics en fait qui ont pop. Attends. Vas-y. Ah, ouch. Ah, putain, on s'est fait descendre à mort. Ah, y'a personne à côté de la personne. Ah, ça fait mal. Oh la vache. On a chié. Relève. Mais comment ils ont fait? Il est passé par où le flic? Je surveillais par là où je suis. En fait, il y a eu une entrée à l'arrière, ils sont passés par là. Et passé au fusil mitrailleur. Hein. Et si on étudiait. Toujours l'entrée par derrière. Hein. Et si on étudiait le plan avant d'y rentrer? Bah je couvre les escaliers à gauche. Ah bah de toute façon tout le monde est mort mec hein. Ah non, on a encore deux hein. Couvre à droite Jill. Ouais. Ah les beaux gosses là en haut, ils réussissent le casse. Il y a deux beaux gosses en haut. Casse du siècle. Faites gaffe les filles qui sont en bas par contre hein. Bah c'est pour ça qu'ils sont en haut. On était à l'objectif hein. Je redémarre la perceuse. Okay. Vas-y, moi je suis caméraman. C'est vraiment de la merde ce matos. Vas-y Nimitz, avec tes lunettes. Et mon masque c'est des lunettes de soleil. Il y a un flingue qui est passé là. Mais t'es beau gosse, c'est pour ça. Ouais, c'est classe. Fais gaffe Slider, fais gaffe. Y'a le SWAT qui arrive. Le SWAT. Je veux pas dire, mais au début on était quand même beaucoup plus discret hein. Ouais. Bon, il fallait pas qu'on danse. On a réussi. On a lâché un otage. On a pas d'otage. Mais si, c'est nous en fait. Je pense qu'il faut que vous alliez chez nous et nous ressusciter ou un truc comme ça, j'en sais rien. Il faut relâcher les otages. Oh là, elle leur donne pas de mauvaise douleur. Ouais, t'es un otage. Bah non, mais je veux pas partager le pognon moi. Est-ce qu'on est temps sur la perceuse? Je sais pas. 52 secondes, voilà. Attends, je te. Un mec sera libéré dans 30 secondes. Continue à droite. Tu crois qu'on peut descendre? Eh, peut-être que vous pouvez échanger les otages. Mais il y a un truc qui est de libérer dans je sais pas combien de temps. Perceuse qu'on sait. C'est le coffre qui contient l'argent. Peut-être qu'en fait on peut échanger les otages civils contre nous qui nous sommes fait buter. Et le problème c'est qu'on sait pas comment les prendre ces otages. En fait ils sont en bas les otages. Moi j'en ai ligoté un et je pense que Diamonds aussi. Mais ça va être trop chaud si vous y allez, il y a des flics partout.
Ouais, c'est ça. Non, faites pas les cons, hein, faites pas les cons. Oh putain, j'étais libéré. T'es libéré, pourquoi lui il a Libéré, comme ça quoi, un cadeau. Le mec, allez, 2 minutes, c'est pas mal, dehors. Nickel, bah après c'est ton tour. Ah ouais. Bien haut. Ah ouais, du coup il y a un otage qui est... 25 secondes. Bah, je repop avec vous en fait. C'est plutôt cool. Mais ils sont complètement bêtes de nous libérer les mecs. Ouais, c'est clair. Hein. Pourquoi ils font ça? Ils ont un otage. C'est peut-être un respawn. Ouais, c'est bizarre. Ça s'appelle la pitié. Peut-être parce qu'on a un otage. Bon bah du coup les mecs, on s'en sort bien. Reviens toi, tu vas te faire tuer encore. J'essaie de récupérer l'otage. Tu pas. Comment tu changes d'arme? C'est là que je me suis rendu compte, putain! J'avais 2 armes! Moi c'est Y. Hein. C'est ouvert les mecs, c'est ouvert. Ah ouais, c'est avec C. Okay. Oh putain, c'est ouvert! Pognon! C'est ouvert. Pognon les mecs, pognon! On va pouvoir s'acheter des BN! Ça y est, j'ai un autre otage! Ouvrez le coffre! Coffre! Oh putain, je peux la bouger l'otage! Oh non, encore une histoire de perso. Je suis sur le coffre! Putain, il se cache le flic! Bah, il va pas se pointer comme ça, les roubignoles à l'air. Problème solve. Si jamais un de vous a du C4, on peut en mettre aussi. Hein. Non, on a pas. Je pense que c'est les compétences qu'il faut. F to move the otage. Y'a quelqu'un en bas J'ai ouvert le coffre, les mecs. Y'a des flics partout. Hein. Ah non, c'est pas le coffre, j'ai rien dit. T'as ouvert la cuisine, c'est encore bien. Y'a quelqu'un qui peut m'aider à couvrir la porte principale là? J'arrive. Ah, mais j'y croyais vraiment, moi. Oh putain, trop cool, on peut embarquer du fric qui traîne. Et où le coffre en vrai? Ah, le coffre, il est là. Oh, what? Oh, what? Putain, folie! Les mecs, y'a les flics en bas! Fais gaffe! Reste là. Ils sont dans la cuisine. Je suis en train de récupérer du fric sur la table de poker en bas et puis. Des bandades! Jérémy? Allez, y'a moyen de choper, de passer en gaucher? Sûrement. Oh bon sang de bois. Ouais, qu'on trouve là. Tellement de gens. Faut tenir votre entrée, les mecs. J'ai eu mal tout à l'heure. Ouais, il est tout seul. Attends, je vais avec toi, mais. Ils viennent par où? Par l'escalier, c'est ça? Par en face, sur le côté, par où ils veulent. Quelqu'un surveille le coffre? Ouverture. Moi, je surveille l'entrée. J'y vais. Ah non, mais c'est bon. Je surveille les cuisines. Il y en a un qui va prendre un bout de temps. 200 secondes. Ah, y'a un flic en haut, ok c'est bon. Il est raid. Merde. C'est bon, il est raid. Tort de violence. Non, pour 2$. Encore 190 secondes les mecs. 180 balles. Vache. Ah merde. Change de flingue. Y. Bah c'est fait mais je vais pas tenir longtemps avec mon petit pistolet. Économise. Tire que sur ceux qui visent. Mort, je sais pas si tu veux prendre leur. Ah, je demande aux flics d'économiser les balles, mais ils sont pas trop d'accord. On peut récupérer les munitions là-bas. Wouah! Vas-y, je te couvre. Bah, c'est bon, j'ai tout récupéré. Quoi? T'en as pas laissé? Je sais pas, faut voir. J'y vais. Où est-ce que t'as chopé des munitions? En bas, là où il y a les cadavres. Il y en reste encore un peu. Et on est coupé. Waouh! Merde! Ah, oh, y'a un flic! Dia, non! Enlève, vas-y! Oh merde! Lève-toi, Dia! 5 marques pour les perceuses? Ah, c'est bon. Oh la vache, y'en a un là! Tu peux en mettre 5 en même temps? Ok. A gauche, y'en a un qui va venir. Y'a vraiment pas moyen de fermer les portes? Pensez à utiliser votre fusil mitrailleur. Hein. Ouais, c'est ce que j'aime. Hein. C'est vrai qu'il est vachement plus pratique que le petit flingue. Non. Y'a pas moyen de regarder sans tirer parce que là. Hein? Ben, regardez, tu sais, juste passer la tête pour voir. Oh putain, y'a du monde là. Hein. Ennemi, si tu voulais des munitions, vas-y, je te couvre. Et on a un otage ici. 1 minute 30. Je pense qu'on peut faire un truc avec l'otage. Hein. Je le ramène. On peut faire plein de trucs avec l'otage. Oh oui. Merde. Vas-y, remonte.
Viens là, petit potage. Oh là, fais gaffe, limite, s'il y en a un dans la cuisine. Voilà. Oh putain, il y en a encore en haut. Voilà. J'ai mis l'otage près du coffre, au moins on est tranquille. On va pas le tuer par inadvertance ou quoi que ce soit. Les munitions. Vas-y, vas-y. Sider, il gère la perceuse. Hein? Le temps il a augmenté. Non, non, il est 60 secondes, oui. C'est bon. Bah, il y en avait 120 ans. Ah, oui, il diminue alors. Ah, mais attendez, ouais. Mais. C'est compliqué tout cela! Il ne dit pas tout, ça, c'est que c'est lui qui fait les maths hein, pour se répartir la part. Ça va les mecs? C'est compliqué, mais. Bon, nous, notre otage il va bien, hein. Oh putain, what? C'est sûr qu'on peut être discret dans ce jeu, j'ai des doutes. Hein. Ouais, ouais, enfin, on peut, mais. En fait, on peut, mais c'est super compliqué. En fait, t'as un bouton interagir, hein. Enfin, moi sur ma manette, c'est R1. Enfin, j'ai une Xbox, mais on s'en fout. En fait, ça sert à mettre les civils à terre, calmer tout le monde et tout. Et je pense que si tu gères bien, il y a moyen de faire un truc super rapide et gérer à mort, quoi. Mais. Il faut 3 heures pour ouvrir la coffre. Ouais, bah ouais. Ouais, mais peut-être que justement, ça prend mais moins de temps. Il faut 3 heures parce qu'on est des newbies. T'as des compétences à débloquer, des trucs et tout. Regarde, il y a des pains de C4, on en a pas du tout. Je pense que si tu te ramènes avec 5 pains de C4, et vous coffre, imaginez il est si on arrive à avoir de l'argent, on va avoir de l'argent. Bah déjà j'ai récupéré 4000$ facile sur le garder. Faut que j'appelle. Par contre les mecs si vous tuez et si vous tuez des civils, vous avez une pénalité de 5000$ par civil. Ouais donc en gros on peut ne rien gagner. Ouais ah ouais mais faut. Y'a thune, la thune. La cocaïne, la cocaïne. Bon, ok, j'ai la. Les flics. Ah putain mais je suis seul à couvrir. On s'est fait eu. Je peux lancer la coque les mecs. Ouais, c'est le paquet. Maintenant faut qu'on sorte, c'est ça le problème. J'ai le paquet. On sort par où? Oh, y'a pas une fenêtre cuisine. En face. Je propose par en bas, ouais. La cuisine. Vas-y, suicideur. Ok, go. Qui est-ce qui a le paquet? Moi. Ok. N'hésite pas à le lancer, ils hein. Ils sont nombreux. Deux devant, un derrière, en avant. N'oubliez pas que vous avez un coup au corps à corps aussi. Oh putain. Sortir par là? C'est bon? Allez, on peut sortir là, y'a une sortie là. Ah putain, y'a des flics! Ça fait mal. Merde, ils sont nombreux. Ouais. Vous êtes passé par où? Go! J'ai perdu! Ah non, c'est merde, je suis à perdre. Slider a été abattu. Oh putain, moi aussi. Allez, Drius. Ah! Ah! J'ai plus mort. J'ai plus de balles. J'ai pas tous vous sauver. Allez, vas-y, viens. Ah, fais gaffe, y'a des flics là. Putain. Ah putain, je suis mort, je peux plus tirer. Allez. Non. Cette complexité. Et là on a ouvert le coffre déjà. C'est pas mal. Oh la vache. Oh la vache. Merde, je suis abattu aussi. Ouais, je suis détendu. Non. J'ai la coupe sur moi, vous croyez que je suis coupable? Non. C'est pas moi, monsieur l'agent. C'est Nimitz, je l'ai vu. Bon, ah, c'est bien, on a reçu 0 XP de nouveau là. Ah, je suis content. Et voilà, c'est comme ça qu'a fini ce super casse, qui avait pourtant très bien commencé. Mais n'oubliez pas, les enfants, consommer la drogue, c'est mal. La vendre est beaucoup plus lucratif. Allez, ciao, à la prochaine.